Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui un programme un peu dense, puisque je vais me parler de ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé pendant les dernières semaines et qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois. D'abord, comment ça va? Ça va plutôt bien. Je tenais à remercier tous ceux qui ont laissé des messages, qui ont laissé des commentaires, qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont envoyé des SMS, qui m'ont appelé, etc. Tout le soutien, l'aide, les commentaires et les conseils que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo de Barbu Nawak. C'était vachement sympa, j'ai essayé de répondre à tout le monde, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, merci à vous pour votre soutien. Et donc, pour résumer un peu tout ce qui s'est passé, après un peu plus de 2 ans d'efforts et le fait d'avoir fait beaucoup d'erreurs, il était temps de prendre une décision. Le premier constat, c'est que le business survit tout juste, c'est-à-dire j'arrive à payer mes charges, pas vraiment plus que ça. Je suis toujours pas capable de me payer. Et principalement, mais on en reviendra dans une vidéo spécifique, certaines activités me bouffent tous mes profits d'autres activités. J'ai des frais fixes qui sont relativement importants, que ce soit le loyer de ma grotte, le comptable, les frais bancaires, l'assurance, etc., etc. Et j'ai pas vraiment réussi à trouver de revenus stables. Ce qui veut dire que de temps en temps, j'ai pas de revenus pendant quasiment un mois ou pas de revenus suffisamment importants. Tout d'un coup, paf, il y a un pic de revenus qui arrive. Et ensuite, ça redescend. Donc, j'ai besoin de cette stabilité et malheureusement, aujourd'hui, mon activité ne me l'offre pas. Certains projets sont particulièrement intéressants. Je citerai les boîtes à livres, mais ça nécessite un investissement en commercial et surtout d'avoir le temps de pouvoir attendre que les différentes instances auxquelles j'essaye de vendre ces boîtes puissent me répondre et puissent me payer. Et surtout, le dernier élément qui est particulièrement important, c'est que quand on est dans une situation de survie, on prend les mauvaises décisions. Et ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des chercheurs qui l'ont étudié, c'est-à-dire que quand vous êtes en situation où vous devez trouver du pognon maintenant, vous prenez toujours les mauvaises décisions, les décisions pour choper du pognon maintenant, mais pas spécialement pour investir dans le futur. Donc en prenant en compte tous ces éléments-là, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, j'ai réussi à trouver un travail. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et je remercie aussi tous les gens sur LinkedIn, les potos, les connaissances, les gens de mon réseau ou partout un peu à droite à gauche qui m'ont filé des coups de main pour trouver ce boulot. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais arrêter mon activité courant décembre. Je vais laisser mon atelier et je vais vendre quasiment tous mes outils. Alors, faut pas voir ça comme une espèce de truc triste. C'est une autre étape dans mon aventure. Celle-là a tendance à me peser parce que ça coûte cher et que voilà. Donc, je me libère de plein de trucs et je me relance sous une autre façon. Donc, j'ai commencé à vendre une partie de mon matériel. Il y en a une autre il y a encore du matériel qui a chopé. Je mettrai dans la description un lien vers un petit fichier sous Google Docs avec la liste des matériaux principaux. La liste des outils principaux qui restent à choper. Et puis, je pense fin novembre, début décembre, je pense premier week-end de décembre, je vais faire une grande braderie dans ma grotte à Antony, où vous serez invité et je ferai une vidéo spécifique. Il y a plein de trucs à choper. De la quincaillerie, il y a du petit matériel, il y a du petit matériel à main, il y a des trucs de mesure, enfin bref, il y a plein de choses à prendre. Je vais garder vraiment l'essentiel qui tiendra dans une ou deux boîtes. Et puis ça, c'est à peu près tout. Je le répète, rien de triste là-dedans. Au contraire, on « downsize » entre guillemets pour pouvoir rebondir et faire d'autres choses. J'ai trouvé un travail depuis le 4 octobre. J'ai commencé un nouveau travail depuis le 4 octobre. C'est en télétravail. Je bosse avec une boîte qui est plutôt du côté de Nantes. Je fais du conseil et de la formation en télétravail. L'équipe est super sympa, ça se passe ultra bien, je suis super content. Et ça va me donner cette stabilité que j'avais besoin pour me refaire un peu au niveau financier et surtout reprendre un rythme qui est un tout petit peu moins malsain que celui que j'avais jusqu'à présent. Donc beaucoup de changements et puis un changement de rythme. C'est-à-dire que malheureusement, alors je sais pas si c'est malheureusement ou pas, j'ai toujours l'habitude de me lever entre 5 à 6 heures du matin. Et c'est surtout un changement de rythme physique. J'étais habitué à aller dans ma grotte, passer entre 4 à 6 heures par jour
à me bouger un peu le cucu à droite à gauche. Il va falloir que je me trouve des activités physiques. J'essaye de sortir de chez moi au moins une ou deux fois. Au moins une fois le matin et une fois l'après-midi, ce qui n'est pas évident. Il va falloir que je trouve un moyen d'extérioriser un peu toute cette énergie. Je ne sais pas encore quoi, un sport, d'aller marcher, voilà. J'y vais encore, mais je vais trouver dans les prochains mois. Le but, il est d'absorber un peu justement ce changement, d'arriver à mettre un point final sur mon activité, c'est-à-dire liquider la boîte, vendre tout le matériel, dégager de la grotte, récupérer une partie du matériel ici, réorganiser un peu ma grotte. Je l'ai rangé et c'est pas encore fini. Et pas mal de changements, principalement sur cette chaîne. J'ai la forte impression de refaire plus ou moins toujours la même chose. Je suis un peu en mode automatique, c'est-à-dire je sais faire le montage, je sais le faire correctement, mais est-ce que ça me plaît? Ben plus vraiment en fait. J'ai plus plaisir créatif, aussi bien sur la forme que sur le fond. J'ai l'impression de refaire toujours les mêmes choses, des trucs un peu chiants. Donc la première chose déjà qui va arriver, c'est que je vais être obligé de me reconcentrer sur des activités un peu plus gérables chez moi. Donc je pourrais plus faire de bois et de métal comme je le faisais avant, mais par contre je vais me reconcentrer sur de l'électronique, de l'impression 3D, du cuir, de la couture, ce genre d'activité-là, et aussi du petit bois. Hein, je vais en faire à droite à gauche, évidemment, mais pas aussi violent que ce que je faisais avant. Et puis, j'ai toujours la possibilité de louer ou de squatter un atelier à droite à gauche si le besoin s'en fait ressentir. J'ai envie de changer la forme, j'ai envie de travailler l'image, le son, j'ai envie de travailler aussi le côté narratif. J'ai envie d'écrire un peu plus, d'être moins dans la réaction en fait, et plus dans l'action ou dans la réflexion, et de me recentrer sur ce qui me passionne en fait. Ce qui me passionne, c'est pas vraiment la technique, c'est le partage, c'est les gens, c'est vous, c'est les autres barbus psychopathes qui font plein de trucs rigolos. YouTube et la course aux chiffres, ça ne m'intéressait déjà pas avant, ça m'intéresse encore moins. Et vu que maintenant j'ai plus cette pression entre guillemets que je m'auto-mettais pour créer du contenu, bah, la question se pose. Est-ce que je démonétise la chaîne? Est-ce que j'arrête le Tipeee? Est-ce que je prends de la distance avec tous les trucs de sponsoring? Twitch, j'en fais quoi? C'est plein de questions qui se posent. J'ai pas vraiment la réponse à toutes ces questions-là. Mais c'est des questions qui, je pense, sont saines à se poser et que je me pose en ce moment. J'ai pas la réponse. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent moi beaucoup plus. Et alors déjà que je peux faire chez moi, donc ça veut dire pas de trucs trop violents ou trop bruyants, ça on le fera dans d'autres endroits. Et puis de me concentrer un peu plus sur justement le background, le fond, la musique, l'image. Pour résumer, en fait, je suis parti du domaine du numérique parce que ça faisait plus de 15 ans que j'étais dedans et que j'avais l'impression de tourner en rond et ça me faisait chier. Donc j'ai quitté ça et je suis allé complètement à l'inverse, c'est-à-dire dans un monde complètement physique et pas du tout numérique, principalement par dégoût. Et en fait, j'ai l'impression que je suis allé trop loin dans l'autre sens. J'ai complètement mis de côté mes 15 ans plus d'expérience, qui maintenant vont bientôt être 20 ans, dans ce domaine-là, sans utiliser justement toute cette expérience et en me lançant dans un domaine où j'avais aucune expérience fondamentalement. Et donc en fait, je suis allé d'un côté du balancier à l'autre côté du balancier. Je pense que mon but est de trouver un truc à peu près au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quand je le ferai. Je ne sais pas sous quelle forme. On verra. C'est pas grave. Pour l'instant, le but, c'est de se restabiliser financièrement, de se restabiliser aussi au niveau du timing, voir comment gérer tous ces trucs-là, voir où je veux aller avec la chaîne, avec les projets. Alors, vous ne le voyez pas, il est dans mon dos peut-être, mais les aminges de Elegoo m'ont envoyé une imprimante résine que je suis en train de tester en ce moment et ce sera la prochaine vidéo. Il y a plein de petits projets comme ça qui vont arriver, j'ai des projets en électronique et j'ai envie, alors peut-être pas dans les prochains épisodes, mais dans ceux qui vont arriver après, de soigner un tout petit peu plus la forme et de me faire plaisir en fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les messages sympas que vous m'avez envoyés. Vraiment, c'était inattendu. Moi, je m'attendais à avoir plein de sauts de vomi et qu'on allait me jeter dessus. Et vous avez été vachement bienveillant. Ça m'a fait du bien. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et puis voilà. Donc, plein de changements, un nouveau boulot, la stabilité financière. Je pense que le jour où je vais recevoir mon premier vrai virement de salaire, je vais me faire caca dessus, quoi.
C'est une... Mais on en discutera, je pense que j'en discuterai dans une vidéo spécifique, justement de parler de tous ces éléments-là, de la pression financière, du stress, des prises de décision sous stress financier, qui est vraiment pas évident. Je l'ai dit et je le redis, quoi. Voilà, j'ai la chance de pouvoir trouver un boulot relativement rapidement et qui paye bien. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je vais pas être là en train de pleurnicher en disant « je peux plus aller dans mes grottes ». Ça fait aussi partie de la décision. J'ai regardé à peu près soutenir la grotte et ma boîte, ça me coûte entre 800 à 1000 balles par mois. Ça fait un peu cher, ta gueule, ça fait un peu cher pour jouer avec des bouts de bois. Donc on plie ça, on se recentre et on essaye de passer à autre chose. Comme d'habitude, t'as les questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un message, évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un petit point sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie. 3615, ma vie. Je. Merci à tous. Et que la barbitude soit avec vous et à très bientôt.